Salut les amis, c'est Cérac. Salut les loulous, c'est Kono. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Uranium. On espère que vous y allez bien. Du coup, j'ai changé un tout petit peu la team pour cette arène. Co-Cancer est de retour. Ouais, et Sablargo, du coup, je l'aime bien. Et mon petit Sablargo. Il est mignon, mon Sablargo. Bah oui. Oh putain, le gars, il est là. Quel plaisir de te voir à Vinoville. Sheldon est le champion de cette arène. Il utilise l'équipe acier et de la technologie. C'est franchement déplacé parmi ces charmantes campagnes. Mais lui dis pas que je te l'ai dit. Hein. Le type acier résiste à beaucoup d'autres types. Par contre, souviens-toi qu'ils fond dans la flamme, se déforment sous les poings et se fracturent sous la terre. L'eau, ça marche aussi généralement. Bonne chance. XP. Ah bah oui. Hein. Oh. C'est l'évolution de la petite abeille. La fourmi électrique, ouais, de la petite abeille. Elle est mignonne, la petite abeille, comme ça. La petite abeille, elle est mignonne, comme ça. Bon, on reste. Éclair fou! Ah mais ça marche pas, on est seul. Eh oui! Vive mon petit Archil! J'étais pas du tout dedans, mais c'est pas grave. Non mais c'était pour l'XP, bien sûr! Évidemment! Oh, S51. T'as fait un critique. Hein. Évidemment, il me crit. Hein. Non, c'est pas drôle. Exact, sinon c'est pas drôle. Lance-flamme. Enfin, il va bien taper. Oh, une cible. Crit en plus. Il est ouais, tellement heureux d'avoir lance-flamme. C'est ce que j'allais dire. Il est tellement heureux que d'avoir une bonne attaque qui, du coup... Ouais, ton pitoyable voyage. Je t'emmerde, mec. Oh, le thème de Zelda à la guitare. C'est déchirant. Il s'appelle Slash en plus. Bah ouais. Alors Slash, c'est le guitariste des Guns N' Roses, hein, pour ceux qui se demandent. Métal, il fond. Tu vas fondre. Ah ouais. C'est quand je te vois. Oh, ok, mon. Il l'a senti, la boue que t'allais lui envoyer. Il a senti la merde, il s'est dit nope. Eh, Sablargo est mignon même de derrière, hein. Ça lui va bien. Bah comme oui. Ça, hein. Mais il est super sympa comme Pokémon. On va faire XP un peu tout le temps aussi. Profitez un peu que S51 est de type psy. Ah, il a une puissance cachée super efficace, toi. Ne dis pas que taper c'est fait. Possible. Hein. Mmh.
Game over. Exactement. Ah, il revient derrière. Je suis une gameuse. Ah la vache. C'est quoi ce truc, ce stéréotype tout de suite quoi. Les gamers, ils ont que des Pokémon acier, quoi. Bah non. Moi, je suis une gameuse et mes Pokémon, c'est des psys. Elle aussi. Non, mais... Elle aussi, ils sont psys. Ils sont acier, psy. Acier, psy. Moi, c'est que du psy. Ah bah on lève garde-voir de Tachim, alors, elle est fait. Bah oui, je sais qu'elle est fait. T'enlèves Galam parce qu'il est combat, t'enlèves Lugia parce qu'il est vol. Ah mais ils sont psy. 51 aussi. Ah. C'est en rouge. Le scientifique fou est Isaac. Isaac, le scientifique fou. Ça, c'est fait. Oh, une sangsue. Une sangsue avec un escargot. Qui va gagner? Bah terrible. Bah l'escargot puisqu'il a la maison. Il peut se réfugier chez lui. Voilà, maintenant tous les chemins sont allumés. Tous les chemins mènent au champion. Et ouais. Avec ses mèches blanches là. Excellent. Je t'attendais. C'est un coup audacieux que t'as fait dans le champ de maïs. Je suis presque impressionné. Ah mais embêter Ridley commence à m'ennuyer. D'ailleurs, je crois que si tu ne le fais pas, t'as pas ce dialogue. Ah ouais? Tout m'ennuie dans ce village, tout. Voyons voir si t'es aussi fort que S51 Alpense. Tu sais que Sheldon, c'est le nom... C'est peut-être bête hein, pour ceux qui sont fans de Monster Hunter, de Monster High, hein, pardon. Sheldon, c'est le nom du grand-père de Frankie. Et c'est un scientifique fou avec les deux mèches en éclair, exactement avec les petites lunettes, les cheveux comme ça. Ça me fait penser du coup à cette référence-là. Servacier. Donc. Ah, c'est peut-être la forme finale de. Ouais. Oh, il est beau! C'est la forme finale d'un périphère. Ah, il est magnifique. Et il n'est plus roche. Il est pur acier. Ah ouais? Ouais, il perd son type roche en évoluant dans sa forme finale. D'accord. Ce qui, selon moi, lui est totalement bénéfique. Il est trop mignon cet escargot, je l'adore. Cométéor. Pas d'animation. Oh vas-y là. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah j'ai eu peur. Oh. 30% de flinch sur extra ascenseur. Pas très efficace mais ça fait mal.
Elle est level 40. Hein. Ça rigole pas. Hein. Ah bah ouais. Je remarque qu'il y a un sacré bond hein, entre les dresseurs de l'arène et le champion. Merde, les autres, ils ont des trucs autour de 30, tu vois. C'est ça, lui, 38, 40... 30 jusqu'à 35, on va dire. Lui, 40, bim. Ah ouais, non mais c'est impressionnant. Hein. Tracton. Il va tracter notre ami Tracton. Pas que ça soit son Ace à lui. Non mais vas-y quoi, putain. Crit plus flinch. C'est facile de gagner hein, quand on donne des pots de vin à la RNG. Hein. Et il se booste, mais un truc de ouf. Hein. Ouais, c'est normal, c'est turbo. C'est vrai parce que tu lui descends sa vitesse, mais ensuite avec turbo, il la remonte. Moi, ouais, je m'en fous. Et à un moment, il pourra plus la monter. Hein. Ouais. Quand elle sera à plus 6. Est-ce qu'il a encore de quoi me taper? Ouais. Il peut encore utiliser tête de fer. Est-ce que tu te soignes ou quoi? Ouais. Il a critique en plus. Oh le bâtard. Connard. Oh le tarba. Ah, et là il va m'enchaîner toute la team. Là c'est mort. Normal, tous les Pokémon qui pourraient l'arrêter, ils me les niquent avec la RNG. Bah je sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est paralysé.
paralysie, t'as pas vent. T'as des rappels au cas où tu Ouais, mais ça servira à quoi? Il a attaque doublée. Ouais, c'est pas fou. Ah, il a souplesse. Ah, oui, quand t'as plus de tête de fer, hein. Faut bien taper autrement, hein. Quand la RNG finit par t'abandonner. Chez. Chez. Quoi, mon cheat code n'a pas marché? Comment tu fais pour être si fort? Je comprends rien. Je fais que m'entraîner encore et encore tous les jours. Et là, un gamin sort de nulle part. Enfin bref, je pense que j'aurais donné ça. T'as animé cette journée qui aurait été bien ennuyeuse autrement. Le badge pixel. Ah là là. Et comme t'as gagné, je vais aussi te filer ça. Oh, Girobal, carrément. Bon bah voilà. C'est là qu'on se quitte hein, sur cette arène monstrueusement longue. C'est vrai que. Oh bah écoute, il y a cet enfant, son nom c'est Terry ou un truc du genre. Il est sorti son Pokémon et il a l'air assez énervé. Il m'a dit qu'il te cherchait. Tu peux aller voir s'il va bien, s'il te plaît? Il semble un peu jeune pour être seul. Il est à l'entrée de la ville. Tu sais, avec des cheveux ébouriffés comme il a, il est dur à rater. Hein. Tu pourrais peut-être te reposer par contre, tes Pokémon ont l'air fatigués. Donc on va se quitter là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. Ouais, on se retrouve demain où on va devoir tabasser Théo. Et ouais. Visiblement. Gros bibi à vous et à demain. À demain.